Bonjour, je m'appelle Prunelle et j'ai 14 ans, je suis en classe de seconde. Aujourd'hui, je vous expliquerai pourquoi la Lune change-t-elle de forme à travers une expérience qu'on va réaliser tous ensemble. Alors, pour cette expérience, il nous faut une orange, une fourchette et une lampe. L'orange représente la Lune. Alors, je pique la fourchette dans l'orange pour qu'elle tienne bien. J'installe la lampe derrière moi et la lumière de la lampe représente les rayons du soleil. Maintenant, tourne sur place et observe l'orange. Quand tu regardes l'orange avec la lumière dans le dos, tu vois toute sa face éclairée. Petit à petit, la face éclairée disparaît de ta vue. Au début, elle paraît moins longue, puis tu ne vois plus qu'un croissant qui finit par disparaître. Mais le croissant réapparaît de l'autre côté. Exactement comme sur la Lune. Le plus souvent, tu ne vois pas la partie de la Lune qui est à l'ombre et tu as l'impression que la Lune change de forme. Dans sa rotation, elle est éclairée différemment par le Soleil. C'est cette lumière qu'on peut apercevoir depuis la Terre. Et selon sa position par rapport au Soleil, on ne la voit pas éclairée de la même façon. Quand la Lune se situe entre la Terre et le Soleil, on ne voit pas sa partie éclairée. Elle est toute sombre, on dit que c'est la nouvelle Lune. Lorsqu'elle se déplace et se retrouve sur le côté de la Terre, on ne voit que sa moitié éclairée par le Soleil. On parle du premier quartier de Lune. Quand elle continue sa route et qu'elle n'est pas tout à fait sur le côté, et donc elle n'est pas complètement éclairée, c'est ce qu'on appelle une gibbeuse. Quand la Lune se retrouve derrière la Terre, nous voyons alors toute la face de la Lune que le Soleil éclaire. C'est la pleine Lune. La Lune complète alors son tour autour de la Terre. La Lune prend alors la forme d'un croissant. Ainsi, la Lune va croître et décroître chaque semaine et nous montrer une face différente à chaque fois selon notre position. En un mois, elle fera le tour complet autour de la Terre. Thank you.